Pessonen qui s'avance. Pessonen, la fin de tir. Un tir magnifique de Harry Pessonen. Et 31 secondes de powerplay, c'est ce qui leur a suffi aux Emmentalois pour ouvrir la marque. 1-0 pour les Longnau Tigers. Réussite de Harry Pessonen. Son 11e but de la saison. Quel maître tir là du top scorer finlandais. La passe de Maxwell qui va donc continuer sa série de points. 8e match consécutif avec un point. Et ce tir de Harry Pessonen. C'est donc 1-0 pour les Emmentalois. Comme je vous disais que les statistiques sont faites pour être démenties, c'est le cas. En tout cas, il se démarque bien là, il est minime, il élimine Pius Suter. Et donc, hein, Biedenbacher, nouvelle tentative, l'arrêt, cette fois c'est l'arrêt de l'égalisation des Zurichois. Égalisation entièrement méritée pour les ZDC Lions. Pounenov aura vraiment tout essayé devant sa cage. Mais voilà, Pius Suter finit par mettre cette rondelle au fond du but. Et donc, un partout également en situation spéciale à 5 contre 4. On revoit tout ça, cette tentative de Biedenbacher. Ce puck qui traîne, un premier sauvetage de Pounenov. Et enfin, Pius Suter qui vient chercher cette rondelle. Le premier arrêt, ensuite ce puck soulevé en dessus de la jambière du portier Montalois. Un partout donc. Qui a tenté de surprendre le gardien finlandais. Nouvelle tentative. Et c'est 2-1 pour les Longnau Tigers. À 5 contre 5. Cette fois-ci, un envoi de la ligne bleue, il me semble, hein, qu'il y a une déviation juste devant le portier Yoni Ortio. Alors, le but attribué à Cadenon, on va revoir tout ça. D'ailleurs, ce premier numéro de Harry Pessonen. Ce puck mal dégagé, Cadenon qui tire. Ah, c'est Gaetro qui marque, mais contre son portier. Et un peu de chance hein, pour l'équipe emmentaloise qui reprend donc une longueur d'avance grâce au top scorer zurichois. Tentative, à chaque fois il y a un joueur qui se couche et c'est l'égalisation. But de Kruger, le Suédois. Et quelle libération pour les supporters. Et entièrement mérité, hein, on va pas s'en cacher non plus. Zurich a tout fait pour aller chercher ce 2 partout et c'est fait. Sur le trou. Le tir. Ce puck touché là par Blazer. Et le rebond de Pounenov et Kruger au deuxième poteau. Ah, rien à dire hein, réellement sur cette égalisation. La cage était vide pour le Suédois. Et Kruger s'interpose. Attention, c'est un homme qui peut s'échapper. C'est Roman Vick. Ah, le coup de crosse de Pessonen qui sauve les Emmentalois. Maxwell, l'antinuméro. Maxwell, en confiance. C'est Maxwell pour le 3-2 pour Longnau qui s'impose donc en terre zurichoise. Ah, le retour de Pounenov important sur l'échappée de Roman Vick. Et en contre-attaque, Maxwell qui fait tout seul pour le game winning goal. Et Maxwell qui continue donc sa série.